En Place vous est présenté par le Crédit Agricole Nord de France, banque coopérative du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Place. Cette semaine, une émission consacrée à l'agriculture dans le Nord-Pas-de-Calais. Et dans quelques instants, on va rencontrer Jean-Marc Capet. Il va nous parler des cumins. Qu'est-ce qu'une cuma? Vous le saurez dans un instant. Et puis, on ira visiter la ferme des Chiconettes du côté d'Achette-le-Petit. Allons-y, c'est Grand Place. C'est bien connu, on est plus fort ensemble, surtout quand il y a des investissements, parfois lourds. Bonjour Jean-Marc Capet. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des CUMA du Nord-Pas-de-Calais. CUMA, C-U-M-A, ça veut dire quoi? Ça veut dire coopérative d'utilisation de matériel agricole. Concrètement, ça marche comment? Concrètement, c'est un groupe d'exploitation qui se réunit et qui réfléchit ensemble sa mécanisation. Donc c'est un engagement au sein d'une coopérative pour utiliser du matériel agricole. Ça veut dire que les exploitants se réunissent pour acheter par exemple une machine moissonneuse-batteuse, par pour exemple, acheter oui. Différentes choses? Une moissonneuse-batteuse, des tracteurs, enfin tout type de matériel nécessaire à une exploitation agricole. Et donc on met en commun les moyens? On met en commun des moyens, on peut mettre aussi en commun des hommes, hein, enfin des hommes, des salariés au sein de cette CUMA pour conduire les matériels ou pour les entretenir aussi, parce que c'est fort important l'entretien du matériel. Alors, ça a quoi comme intérêt une CUMA? Une CUMA, c'est de bénéficier d'un matériel nouveau, neuf, hein, et qu'on se partage. Et ça permet aussi d'utiliser du matériel qu'on ne pourrait pas se permettre seul d'acheter sur son par exploitation. Exemple. Une moissonneuse-batteuse, par exemple, c'est un investissement très très lourd pour des exploitations. En gros, c'est combien une moissonneuse-batteuse? Une moissonneuse-batteuse, c'est 250. Vous avez, des amis derrière vous. C'est 250 000 euros. Ouais, donc c'est conséquent. Et bien sûr, quand on est à plusieurs, il faut quand même s'organiser pour pouvoir utiliser ce matériel. Donc, il y a un minimum de concertation à avoir pour pouvoir bénéficier chacun du meilleur service possible. Oui, on parlait d'investissement. Après, concrètement, comment ça marche au niveau de l'organisation? Je suppose qu'on a tous besoin en même temps de la moissonneuse-batteuse. Ah comment, oui. On fait? Comment on fait? D'abord, on se réunit, on discute, parce qu'on peut parfois aussi jouer sur le territoire, parce qu'on a parfois des différences de précocité. On n'est pas tous avec les mêmes variétés non plus, donc ça permet un peu d'étaler dans le temps la période de récolte. Mm-hmm. Donc, mais il faut chacun qu'on puisse se réunir et pour en discuter ensemble. On peut avoir une espèce de planning en quelque sorte. Il faut faire un planning, mais qui est aussi parfois remis en cause à cause de la météo. Donc il faut être très réactif, parce que parfois il peut y avoir un orage dans un secteur et ça permet de travailler sur un autre secteur si la maturité est là. Alors en moyenne, c'est combien d'agriculteurs, combien de producteurs par CUMA? Est-ce qu'on a une estimation? Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a 220 CUMA. Il y a environ 5000 exploitations agricoles qui se retrouvent au niveau de ces 220 CUMA. Mmh. Donc il y a une moyenne de 20 à 25 adhérents par CUMA. Vous parliez de zones, c'est parfois de grandes zones C'est quand même assez concentré, hein, mais bon, on peut aussi avoir une complémentarité entre CUMA. On travaille inter-CUMA, c'est-à-dire plusieurs CUMA ensemble. On peut trouver des surfaces complémentaires à travailler. Très bien. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Fédération Nord-Pas-de-Calais des CUMA, C-U-M-A. Voilà. Maintenant, vous savez ce que c'est. Et puis, peut-être que d'autres agriculteurs sont aussi intéressés. On vient vers vous pour les infos. Hein, on l'espère. D'accord. Sans aucun problème. Merci. On va aller faire un petit tour du côté de Bapaume maintenant, à Achette-le-Petit. Vous savez que c'est bien de manger des légumes de saison. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Oui, non, tout à fait. Alors, s'il est un légume de notre région qui est bon et qui est produit en ce moment, c'est le chicon. Voilà. On va aller tout de suite retrouver Anne Klingberg à la ferme des Chiconettes. Nous sommes à la ferme des Chiconettes. Alors quand vous voyez ce panneau, vous pouvez rentrer dans la ferme et aller acheter vos endives. Ici, on fait de l'endive de pleine terre depuis 7 ans et c'est Véronique Duforet qui nous reçoit. Coucou Véronique. Alors, regardez, Anne, comment elles sont. Elles sont magnifiques, mes endives. C'est que du bonheur. Il y a une certaine fierté, là. C'est quand même, vous savez, c'est du travail. C'est pas le tout, hein, c'est du boulot. Et puis, de voir qu'elles sont aussi belles, c'est vraiment que du bonheur. Bon, elles ont combien de semaines, là? Là, elles ont un gros 3 semaines. Donc là, dans 2 jours, il faut que je commence à casser. On ne coupe pas.
on casse endive. Regardez, je vous montre. D'accord. Voilà. Voyez ? Et j'enlève les deux, trois premières feuilles. Regardez comme elle est belle, mon endive. Endive de pleine terre. Endive de pleine terre. Les carottes sont posées sur la terre. Les bacs sont posés sur la terre. Oui. En dessous, on y a mis un système d'irrigation. On a mis des tuyaux pour apporter de l'eau par en dessous. Et avec le chauffage qu'on apporte en dessous, donc à 40 cm hein, ici sous la terre, vous avez un système de chauffage qui apporte de la chaleur. Et c'est ce qui fait pousser l'endive. C'est ce qui fait pousser l'endive. Donc la chaleur, l'eau qu'on apporte par les tuyaux en dessous, et le tunnel avec les tôles et la bâche noire qui va recouvrir le tout, ce qui nous donne à peu près au bout de 25 jours, regardez, de magnifiques endives. Ou pourquoi pas. Après le travail dans la terre, je vous retrouve dans le magasin. Tout à avec fait. Avec les produits finis ici. Oui, bah là, je suis en train, vous voyez, de préparer un petit panier garni avec les produits que nous transformons et que nous vendons ici dans notre petite boutique. Que vous faites ici. Alors, il a fallu du courage et de l'envie pour vous lancer dans cette aventure il y a 9 ans. Oui, c'est certain, mais bon, c'est que du bonheur. Hein. C'est une autre vie qui démarre et voilà. À force de vouloir, ben vous voyez, on y a cru et la preuve. Et donc vous démarrez sans connaître l'endive, vous venez pas de ce métier, vous étiez dans la pâtisserie. Tout à fait, mais je pense, vous savez, du principe que si on veut quelque chose dans la vie, eh bien il faut se renseigner, il faut aller vers les autres. Et puis bah tout s'apprend. Hein. Merci. Et bonjour à Hubertine. Les produits qui sont faits ici, c'est Pascal, hein, votre voilà, mari. C'est Pascal qui m'aide à tout cela. Hein, mais bon, c'est vrai que je dirais que Pascal est la voilà, tête pensante et puis moi quelque part je suis les mains. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait nous qualifier. Bonjour Pascal. Bonjour Anouk. Alors j'ai trouvé plein de produits chez vous. Hein, oui. Puis là ça sent bon aussi. Hein. C'est une caverne d'Ali Baba ici, oui, c'est autour de l'endive. Un confit d'endive, mais ça je crois voilà. Que ça fait un petit bout de temps que vous le faites. Oui, ça fait une dizaine d'années qu'on l'exploite ce produit, hein, qu'on le fabrique. Donc c'est un condiment, c'est un chutney à base d'endive pour accompagner foie gras, pâté, terrine, saumon fumé. Et donc ça marche bien. Et alors là vous êtes en train de nous préparer quoi Un velouté d'endive façon grand-mère. En fait, voilà le produit fini. Oui. Et là, on est en train de le préparer. D'accord. Alors, Véronique fait la production d'endive et puis vous avez trouvé, imaginé plein de choses. Voilà, on a chacun notre tâche à la ferme. Elle, c'est plus la culture. Et puis, moi, je transforme, j'exploite des nouveaux sentiers. Je débroussaille un petit peu autour de l'endive et je fais des nouvelles spécialités comme le confit, la vinaigrette ou le velouté. C'est votre ancien métier, vous étiez pâtissier. Hein, oui, tout à fait. C'est tout ça qui fait que vous recherchez ce sucré. Voilà, la culture du goût, je l'ai déjà de par ma profession. Ouais. Et puis après, exploiter des nouvelles terres encore inexploitées, encore vierges, c'est vraiment très intéressant. Alors, on a parlé beaucoup d'endives, hein, du légume, on l'a vu tout à l'heure avec Véronique. Mais alors, regardez aussi, ça, c'est une spécialité de Pascal, la chiconette en chocolat, chocolat blanc, au lait et noix. Et puis, ce qui va sortir bientôt, là, en hommage à 14-18, à la guerre 14-18, les crapouillots. Et puis, c'est à noter dans votre agenda, le 5 et 6 avril, portes ouvertes ici, à la ferme des chiconettes. Et vous pourrez assister en direct à la fabrication de ces crapouillots. Une bonne petite chiconette de saison, c'est toujours bon. Dans un instant, c'est l'agenda. Et puis nous, on revient demain, toujours à Quesnoy-sur-Deûle, pour cette émission Grand Place consacrée à l'agriculture dans notre région. On va notamment s'intéresser au bio avec Alain Delbecq, qui sera notre invité. On ira également rencontrer Kevin, qui est agriculteur bio. Il est maraîcher dans la métropole lilloise. Portez-vous bien, à demain. Salut à tous, pile à l'heure du rendez-vous. Du 15 février au 22 mars, le salon Art Connexion à Lille présente des installations photos et vidéos d'Arnon Verlet et Philémon réalisées autour de leur projet Pégase. Intéressé notamment par les questions de progrès technologique et d'énergie solaire, le duo d'artistes crée, avec une dimension ironique certaine, des objets questionnant l'utilisation parfois paradoxale des nouvelles sources d'énergie dans notre société. Sous la forme de fausses bonnes idées, ils immobilisent leurs objets et entravent leur utilité, à découvrir les yeux fermés. Et enfin, le 28 février à 21h au Musical à Lille, retrouvez les princes de l'univers.
Vous ne connaissez pas ? Eh bien, c'est tout simplement Queen chantée en français, jouée en acoustique, sans contrainte de genre, dans une musicalité indisciplinée. À cela s'ajoute un pot pourri de mise en scène complice, mêlé d'improvisation spontanée. En bref, c'est un univers complètement décalé, à ne pas rater. Est-ce là la vraie vie, ou est-ce seulement un rêve, attrapé dans un glissement, évasion et réalité. Nous sommes les champions, mes amis, et nous continuerons de nous battre. Nous sommes les champions, nous sommes les champions. Pas de place pour les perdants, car nous sommes les champions. La 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 Grand Place vous a été présenté par le Crédit Agricole Nord de France, banque coopérative du Nord-Pas-de-Calais.